Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre formation Sicou. Aujourd'hui, on va regarder avec la vidéo 321 le EZ en anglais Easy pour facile, traduit librement. Setup EM plus le Edge Manager. Donc, on voit ici à gauche, vous allez voir ici en fait le routeur EM plus dernière génération. Vidéo a été faite là-dessus, juste sur les Edge Manager. Donc, il y a une autre vidéo dans la série 300 de communication. Donc, à voir sur le site de Sicou. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que la première fois que vous allez vous connecter sur le Edge Manager, on va vous demander en fait un Easy Setup. On le voit ici. Donc, vous allez avoir la première page qui va apparaître ici, ça va être à ce niveau-là. Qui va faire le setup. Mais avant de rentrer en détail, parce que si vous êtes un premier utilisateur, ça peut porter à confusion en fait de la façon dont on demande les passwords, etc. Parce qu'il y a plusieurs choses au niveau de la sécurité, par exemple, si on regarde au niveau de la communication et les mots de passe, ici j'ai représenté un module en fait. Edge Manager. Donc, on voit ici que dans d'autres vidéos, j'ai parlé en fait du LAN et du WAN. Fait qu'ici, vous avez le Edge Manager. Donc, je vais juste m'en tirer plus, m'en maintenir en fait aux différents passwords. Donc, si vous regardez ici dans le WAN, quand le WAN est branché, vous avez ce qu'on appelle un cloud là, ou sur le portail de KE2 par exemple. Si vous avez activé Smart Access, bon, on vous demande un user et un password. Et 1, 2, 3, ça fonctionne de moins en moins. Fait qu'il faut s'habituer en contrôle à utiliser d'autres choses. Ça prend au moins 8, des fois entre 8 et 15 caractères, au moins une lettre majuscule. Certains caractères, on y a droit. Lettre minuscule et même un chiffre. Donc, ça soit un peu plus sévère. Donc, Smart Access, comme je l'ai parlé, c'est quand vous allez sur le portail et que vous voulez passer de outside in, donc de l'extérieur vers l'intérieur pour venir voir votre dashboard, voir vos contrôleurs, bien, il y aurait comme une première série ici de user password. Okay? Juste pour placer, avant qu'on rentre dans comment le paramétrer, on va regarder c'est quoi qu'ils vont nous demander ensuite. Ensuite, vous avez une page qui s'appelle le manage. En informatique, il y a deux choses. C'est que vous allez avoir, ici au niveau, vous allez avoir le dashboard. Okay, donc, le dashboard, c'est lui qui va vous donner accès autant à vous sur place ou à distance, qui va vous donner accès à tous les contrôleurs. Mais il y a aussi une autre section qui est Manage. Donc, Manage, on a vu dans les vidéos précédentes comment configurer Smart Access, le data log, si on veut le communiquer ou pas à distance, etc., etc. Donc, le Manage, ça veut dire quelqu'un qui se connecterait ici en Wi-Fi sur le module, il verrait que le dashboard. Et là, s'il veut modifier des choses, ben, on va lui demander un password. Okay? Donc, on va regarder ensemble le M plus dans la section Manage. Il y a un Wi-Fi password et il va avoir également un user. Et finalement, pour chacun des modules ici, TCP/IP, les mots de passe et aussi les sondes sans fil Bluetooth, vous allez avoir un user et un password. Et encore là, celui-là, selon les générations, ben, le fameux KE2 admin en minuscule avec un autre password, ça fonctionne plus. On va l'accepter peut-être la première fois, puis après ça, il va falloir le changer. Donc, il faut documenter ces différentes passwords-là. Okay? Fait qu'il y a plusieurs niveaux de password. Donc, on regarde ça ensemble. On va tomber dans la section. Fait que la première fois que vous allez vous connecter, à se souvenir qu'on va taper l'adresse IP en fait du contrôleur qui va être 192.168.50.1. C'est des choses qu'on avait vues dans les autres formations. Donc la première information qu'on va avoir ici, ce qu'on va avoir, c'est d'avoir l'information en fait du email. C'est juste optionnel. Si vous le marquez, que vous êtes raccordé sur Internet, pourrait vous envoyer des informations. Donc ça, c'est optionnel. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas encore dans la section au début. C'est marqué dans le manuel, c'est la section Manage, okay, pour avoir accès. Donc votre username que vous allez taper ici, on vous demande le nouveau password. Et on vous demande le deuxième password pour
pour le confirmer. Donc, si vous faites une erreur au niveau de votre système, si vous faites une erreur au niveau de votre password, ben, le système ne l'acceptera pas, il va vous en demander un deuxième. Et je vous indique ici, vous ne voyez pas votre password, vous ne le voyez pas du tout, du tout. Donc, c'est assez facile de faire une erreur, surtout si vous avez un clavier français où vous mettez une lettre majuscule avec votre téléphone. Fait que c'est important de le prendre en note. Ça, c'est tiré du manuel d'installation, là, du Edge Manager. Je vais sauter des sections, mais quand vous commencez, on vient ici au niveau de l'information. Une fois que vous avez rentré ces trois-là, mais sans le email, si vous ne voulez pas le marquer, vous allez pouvoir appuyer sur Next Step. Quand vous allez faire ça, il va vous dire, c'est le seul l'endroit qui va vous le dire. Il va dire, ce procédé va changer le management password. C'est important de comprendre que le management password, encore une fois, ça se trouve à être pour rentrer ici. C'est peut-être le plus important au moins à se rappeler. Parce que si jamais vous faites des erreurs sur les passwords, pour les autres passwords, vous pourrez toujours aller dans le Edge Manager, puis aller dans la section Manage, puis on va aller changer, on va pouvoir aller les changer après. Mais si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez mis là, bien, la seule affaire qu'on peut faire, c'est d'aller appuyer sur le bouton Reset qui est ici pendant à peu près 15 secondes et on va recommencer le processus. Selon les versions du EM+, si c'est un module plus récent, automatiquement, vous allez tomber dans le Easy Setup, fait qu'on va recommencer. Fait que lui, c'est capital que vous le gardez, que vous conservez au moins une prise en données. Donc, une fois qu'on dit j'accepte, est-ce que je veux continuer? Je dis OK, on continue. Et on va tomber dans la section ici, Auto-Publish. OK. Là, je suis rendu dans la section Publish. Publish, ça veut dire ce qu'on veut publier. Puis là, ben, le truc ici, c'est se rappeler le petit nuage. Fait que si vous dites non, je ne veux pas voir rien sur Access, sur le portail de KE2, il est marqué ici Smart Access KE2 Temp.net. Si vous tapez ça n'importe où sur un browser, il va vous amener puis il va vous demander quel est le site que vous voulez créer pour le client. Par exemple, on vous donne un exemple. MyStore-04CD avec un password. Quand vous avez tapé le password, ça veut dire que Smart Access est comme programmé. Okay? Si vous dites non, je ne veux pas le publier, vous pouvez cliquer ici, je ne veux pas le publier. Ça veut dire même si vous avez accès à Internet, vous ne voulez pas aller sur le portail KE2 tout simplement. Vous pouvez dire Do not publish. Vous cliquez ici. Et si vous changez d'idée, après, on pourra toujours aller le changer, comme j'ai dit, dans Manage, mais il va falloir rentrer le password une fois qu'on va aller se connecter. Donc, une fois c'est fait, on fait Next. Une fois c'est Next, on tombe ici dans le Wi-Fi PW. Le Wi-Fi PW, le SSID, ça veut dire quand vous allez voir en Wi-Fi avec votre PC ou votre laptop. Le Edge Manager, il va vous, on appelle ça un broadcast, il va vous envoyer comme dire, c'est ce que je vois. Je vois d'autres sites Wi-Fi qui peut être le restaurant à côté, le commerce où vous travaillez. Vous n'avez pas un mot de passe, mais là, vous dites, OK, moi, je veux me brancher sur le KE2 M+. Et les derniers chiffres qu'il y a ici, c'est les 6 derniers chiffres du MAC adresse qu'on a vu. Et le password, vous pouvez retaper le même qu'il y a à l'endos du contrôleur, je vous dirais. À ce niveau-là, on avait vu ça dans les autres manuels. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, si je viens ici, puis je vous dis Wi-Fi PW, donc le password ici, le broadcast, regardez, il est ici, le SSID, là, c'est ce qu'on fait. KE2 M+, c'est ce qui va broadcaster. Vous pouvez le changer si vous voulez. Le danger en le changeant, c'est que la personne en arrière de vous vient, ben, elle ne se rappelle pas du code si ce n'est pas documenté. Donc, si on va avoir, sont tous pareils. KE2-EMPLS pour imiter EM+, numéro 1. Et là, vous avez un clavier français, faites attention si vous. Vous pouvez retaper la même chose. Autrement dit, dans le module ici, on pourrait retaper le même password si on ne veut pas le changer. Et on va le taper une deuxième fois. OK? Et on va confirmer le next step. Donc ici, c'est juste pour le Wi-Fi. C'est une erreur ici. On va resetter. Ou si vous avez un laptop, on a vu dans les autres sessions, les autres vidéos, qu'on peut se brancher avec un laptop directement dans le LAN. Puis à ce moment-là, je n'ai pas besoin de Wi-Fi password parce que je suis câblé directement. Donc une fois que vous avez changé ça, vous avez tapé deux fois, confirmé le password, on fait next step. On peut taper la même chose. Si on va aller avec la connectivité, donc ça veut dire on va aller regarder sur le web, comment on va se connecter. Par défaut, il va dire connect Internet. Si vous dites non, je ne veux pas me connecter sur Internet
pour l'instant ou plus tard non plus, où je n'ai pas le câble présentement, où je ne suis pas câblé, où je n'ai pas accès au réseau. J'ai juste à cliquer standalone, ça veut dire que je n'ai pas d'Internet. Okay? Le plus populaire, je vous dirais, c'est la connexion Internet. Donc, la connexion Internet en WAN port. On l'a vu ça aussi. Si vous câblez le port WAN du Edge Manager dans le réseau de votre client, soit son routeur ou un réseau qui vous donne accès à Internet, ça serait la plus facile. Et je vous invite toujours à utiliser celle-là, elle est toujours plus stable, à mon avis. Pour tout genre de connexion sans fil ou ce qu'on va appeler un bridge. Un bridge, ça c'est wireless. Puis quand on appelle ça un bridge, c'est un peu comme un pont. Ça veut dire qu'on veut faire un pont entre le réseau KE2 et le réseau de votre client. Mais là, on ne va pas le câbler, on va le faire en sans fil. Fait que dans votre système, quand vous allez aller brancher un peu plus tard dans le sans fil, on va aller choisir, bon, exemple, le Wi-Fi ou le SSID de votre client. Puis là, ça va vous prendre le mot de passe. Fait que ça a l'avantage wireless d'être plus rapide, puis on n'a pas besoin d'avoir de câble, mais comme je répète encore une fois, le câble est plus stable. Donc, une fois que votre connectivité, vous dites, j'ai choisi, je fais Next Step. Donc, à cette étape-ci, si vous avez choisi le bridge à l'étape avant au niveau de la connectivité, vous allez avoir en fait la possibilité de faire choisir votre 2,4 GHz ou le 5 GHz pour choisir lequel que vous allez bridger. Je vais le voir plus en détail un petit peu plus loin. Donc, on va sauter cette étape-là. Donc, quand vous allez faire Next Step finalement, vous allez arriver à la fin qui va vous dire, bon, la dernière étape, c'est que vous avez terminé, donc c'est installé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le IM will reboot, ça veut dire qu'il va se rebooter, va se reprogrammer avec les nouvelles conditions que vous lui avez données. Et là, on dit, please reconnect after reboot. Ça veut dire que là, vous êtes obligé d'aller ici dans vos applications, par exemple. Et vous devrez aller vous reconnecter. Regardez, là, il serait comme marqué connect. Là, il faudrait que je me reconnecte une fois que c'est rebooté. Et c'est là l'erreur souvent qui est faite, c'est que les gens ne se reconnectent pas puis ils cliquent sur Dashboard. Fait qu'en cliquant sur Dashboard, vous avez l'application. Puis là, vous avez comme l'ancien password avec le nouveau. Fait que toujours, avant de cliquer sur Dashboard, de s'assurer que vous êtes reconnecté à cette étape-ci. Ici, comme ça. Et je vais aller voir un Edge Manager EM+ broadcasté. Je suis disconnecté, je vais aller me déconnecter. Normalement, là, c'est parce qu'il se rappelle de votre mot de passe. Et si je viens faire connecter, la première fois, il me demanderait le mot de passe et ça serait KE2 EM+ numéro 1. Je suis connecté, j'ai accès à Internet sécurisé. Donc, comme on a vu en arrière, le gateway est toujours le même, 192.168.50.1 si vous ne l'avez pas changé. OK. Juste agrandir ça sur le Edge Manager Plus. Et comme on a vu dans les autres vidéos, comme je vous disais, vous avez le dashboard. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Go-to Management Console. OK. Donc, dans le Management Console, il va me demander mon mot de passe. Là, je l'ai déjà rentré, puis ça fait pas longtemps, mais normalement, il va vous le demander. Et je rappelle, encore une fois, très important, ça va être le premier que vous avez rentré au niveau de la première étape au début. Ici. OK, très important. La première étape, toujours ça, comme je vous ai dit, quand vous allez appuyer OK, c'est marqué dans la littérature, mais on va vous le dire juste ici, gardez ces management. Donc, ce mot de passe-là, il ne faut pas le perdre. OK? Vous l'avez perdu, vous n'avez pas un LAN pour vous connecter directement sur le LAN câblé, ben, vous n'avez pas le choix de resetter le EM+ et de recommencer la procédure Easy Setup. OK? Donc, si je suis rentré directement dans l'application, et là, on voit que je suis dans la console management. Rapidement, on disait, regardez, je peux quand même venir sélectionner mes services ici par après. Okay? Donc, ça, c'est mes services. J'ai fait la vidéo là-dessus, mais je passe rapidement parce qu'on l'a déjà vu.
Là, votre access, on l'avait fait dans le Easy Setup, mais vous pouvez le refaire après. Si vous voulez, venez le faire ici. C'est comme pour le faire plus facilement au départ. Mais on peut, ceux qui sont habitués, qui allaient directement dans Management Console, mais on peut le faire après. Fait que là, regardez, on a Smart Access tout simplement avec notre site, notre password. Il nous dit qu'il est ready. Ça veut dire qu'on est capable de passer sur le site et on est capable, autrement dit, ça veut dire que Smart Access, ça communique. Et là, vous oubliez pas que tous mes contrôleurs que je veux, autrement dit, communiquer, je dois mettre un nuage sur chacun des contrôleurs si je veux les publier sur Smart Access. Okay? Le log, on l'a vu aussi. Ça, c'est si je veux faire de l'historique. J'ai parlé de ça dans l'autre vidéo. Peut-être un petit rafraîchissement ici, juste de faire attention. C'est que vous avez deux broadcasts. Vous avez un radio enable en Wi-Fi. Ça veut dire qu'avec votre. C'est comme vous avez deux signaux radio. Vous avez un 5 GHz, puis vous avez un 2,4 GHz. Donc, on voit ici, comme je vous ai dit, mon bridge est déconnecté. Mes deux antennes sont à on. À ce moment-là, comme j'ai coupé le bridge, ça veut dire que je vais voir, regardez, l'adresse MAC 571-5G. J'ai le choix. Présentement, je peux me connecter sur cette antenne-là. Mais je peux également me connecter sur la 2G. Ce n'est pas marqué 2,4G. Fait que par défaut, c'est elle. Donc la 5, c'est ça. Je pourrais me connecter sur une ou l'autre. Donc sur le système, j'ai juste à faire connect. Et là, je pourrais. Comme je vous ai dit, c'est toujours plus simple d'utiliser soit votre laptop ou votre téléphone sur la 5G. Si vous ne faites pas de bridge, on se connecte sur la 5G. Donc on peut connecter. Avec la 5G, c'est beaucoup plus rapide. Et l'autre, si elle n'apparaît pas dans vos choix, celle-là ici, ça veut dire que vous avez fait un bridge ici. Si vous n'avez pas fait de bridge, ni là, ni là, ça veut dire que vous avez les deux antennes disponibles. Le 5G, encore une fois, communique plus rapidement. La seule différence, c'est que la distance est plus courte. Si vous allez, c'est à peu près ça en gros. Un 2,4 GHz, ça veut dire que votre signal est un petit peu. Moins fort, mais on peut aller plus loin dans le sens qu'il est moins rapide. On pourrait résumer ça comme ça. Blabla, le reste, on en a parlé. Donc ici, ça serait plus, comme je disais, dans les bridges. Donc ça couvre la partie de la formation, comme je mentionnais ici, pour venir se raccorder avec le Edge Manager et faire le Easy Setup. Avec le système, tout simplement dans Easy Setup, aller rentrer tous les mots de passe et les documenter. Et c'est sûr qu'il faudrait aller à l'arrière du contrôleur pour les changer si vous voulez changer. Mais à part le management, vous pourriez conserver les mêmes mots de passe. Okay? Donc, ça va faire la formation. C'est suffisant pour la formation d'aujourd'hui pour expliquer le Easy Setup. On va savoir prochainement dans une formation pour comment brancher un laptop directement dans un contrôleur ou un téléphone intelligent à l'aide d'un adapteur si vous n'avez pas de Service Tool ou vous n'avez pas de M+. Donc sur ce, à la prochaine.